Vélo. Ouais, moi aussi, très grand fan de vélo, ouais, j'en fais beaucoup. J'ai traversé les Alpes cet été en vélo, donc amateur. Une journée dans laquelle on peut finir sa to-do list. C'est vrai. Ouais. Les deux, on a le droit. Ouais, compliqué, ouais, les deux aussi, ouais. Ah, ce sont des choses assez différentes. L'organisation, c'est indispensable et le collectif, l'esprit d'équipe, c'est comme ça qu'on avance dans le projet. Ouais, c'est la base du conseil, en fait. C'est travailler en équipe et être organisé pour délivrer en temps et en heure, quoi. Synthétique. Ouais, synthétique. Je pense qu'on a, on a besoin, quand on est consultant, d'être synthétique. Le client, il ne peut pas nous voir tout le temps. Et en fait, quand on le croise, on a besoin de lui délivrer les messages les plus importants tout de suite. À chaque fois, on nous parle de si jamais tu croises ton client dans l'ascenseur, il faut qu'en 3 minutes, tu puisses lui remonter les points d'attention. Ouais, je pense que synthétique, c'est vraiment, enfin, c'est la base, quoi. Ouais. Teams. Ouais, Teams, c'est un bel outil, je trouve. Ouais, 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 ça marche bien. Ça nous sert à tout, en fait. Donc, ouais. On gagne du temps. Mmh. Bah, la force du cabinet, pour moi, c'est la double compétence, connaissance du groupe et expertise conseil avec des gens qui viennent de l'interne, du groupe Société Générale, et des gens qui viennent de cabinets externes. Et la force du cabinet, pour moi, c'est les collaborateurs du cabinet qui sont fortement investis sur leur mission, leur projet auprès de leurs clients pour apporter un maximum de valeur ajoutée. Bah, un conseil pour un consultant, je pense que un consultant, c'est quelqu'un qui sait s'adapter et c'est aussi quelqu'un qui a envie d'apprendre parce que, à la différence de plein d'autres métiers, c'est quand même un métier qui, en fait, on change l'environnement assez régulièrement. On peut faire de la banque de détail, 6 mois après de la banque d'investissement, faire une mission à Paris, le lendemain partir à Londres. Donc il faut savoir s'adapter à son client, au contexte, au type de mission. Donc oui, je pense qu'un conseil, c'est ne pas avoir peur de s'adapter. Ouais.